C'est au bord de l'Airbus A330 de la compagnie aérienne Fly CA que le lieutenant général Tshué Songesa-Christian, chef d'état-major général des FARDC, a foulé le sol de Lubumbashi dans la soirée de ce jeudi 12 janvier 2022. Au pied d'avion, un accueil chaleureux lui a été réservé par les commandants de la 2e zone de défense, le lieutenant général Masunzu Pacifique, entouré du commandant de la 22e région militaire, le général-major Guillaume Smith et d'autres officiers de la place. À la presse locale, le chef d'état-major général dit poursuivre sa mission de commandement et de contrôle débité par l'étape de Goma. Merci beaucoup au gardien de Goma et là il y a l'inspection, n'est-ce pas, de l'équipe et voir comment ça évolue et faire les rapports par la suite. Le général Tshué rendra visite aux jeunes de Lubumbashi qui ont répondu à l'appel à la mobilisation générale du président de la République Félix Antoine Tshisekedi et aux recrues du centre d'instruction de Kamina. Non, c'est pour un peu de jours parce que d'ici là je dois aller à Kamina pour voir les recrues qui sont là-bas et pour voir aussi à ce niveau le nombre de promesses de recrues pour amener à Kamina. Okay, merci. Arrivé jeudi soir à Lubumbashi, le lieutenant général Tshué Songesa-Christian s'est imprégné ce vendredi 13 janvier 2023 sous une forte pluie de la situation générale de la 2e zone de défense, lui présentée par son commandant, le lieutenant général Masunzu Pacifique. Cette zone relativement calme sur le plan sécuritaire dans les Grands Katanga et Grands Kasai, dans leurs anciennes configurations, le général Masunzu a fait voir au chef d'état-major général les efforts fournis par les FARDC, notamment dans l'opération Usalama, dans les Tanganyika et Mazingira-Bora, contre les Bakata Katanga, dans les parcs d'Upemba et Kundelungu, dans le Haut-Katanga. Motif de satisfaction pour le chef d'état-major général qui a, en outre, mis en garde certains officiers de cette zone qui s'adonnent à la féerie dans les carrés miniers et usent des trafics d'influence pour s'accaparer des biens des civils. Les difficultés faites face à cette zone lui ont été également présentées et le général Tshué a promis de rendre compte à l'autorité suprême. Une visite analogue s'en est suivie à l'état-major de la 22e région militaire sur le lieu, le numéro 1 de l'armée, ne s'est pas retenu pour régler certaines difficultés qui fait face l'état-major de cette région et a donné quelques orientations au commandant région. Il a à cet effet réitéré l'appel à la cessation des activités minières par certains officiers pour s'aligner à la vision du chef de l'État de faire des FARDC d'une armée dissuasive et professionnelle. Pour clôturer sa série de visites de ce vendredi, le général Tshué est allé présenter ses civilités au gouverneur Jacques Kiabula Kouete du Haut-Katanga et a visité les vivres et matériels entreposés sinon militaire en formation à la base de Kamina, prochaine destination de son inspection. À l'étape de la 2e zone de défense, le lieutenant général Christian Tshué a été reçu dans la salle des opérations où il a suivi les briefings présentés par le commandant 2e zone de défense, le lieutenant général Pacifique Masunzu, et ce, sur la mise en œuvre de toutes les unités des FARDC implantées dans les espaces Grand Katanga et Grand Kasai, et sur les passages en revue de la situation opérationnelle dans cette partie du territoire national. Ensuite, dans les installations du quartier général de la 22e région militaire, le commandant région, le général-major Smith Guianga Mutara, a parlé du trinôme FEC qui signifie formation, équipement et casernement, qui fait une montée en puissance des FARDC. Il a été aussi martelé le recrutement des jeunes désireux de servir la nation sous les drapeaux et principalement leurs conditions d'hébergement. Après ces deux exposés, le chef d'état-major général de FARDC a invité ses interlocuteurs à faire maintenir l'ordre, la discipline et le politisme de l'armée au sein des hommes des troupes sous leur responsabilité, ainsi que la fidélité et la loyauté au président de la République et commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'issue de ces deux rencontres, les mamans épouses des militaires ont réservé une surprise agréable au lieutenant général Tshiwewe en lui remettant un présent à l'occasion de sa première visite parmi elles. Aussitôt après, le chef d'état-major général des FARDC et sa suite se sont rendus à la gare centrale de la SNCC de Lubumbashi où sont embarqués les matelas et les vivres en grande quantité à destination de la base militaire de Kamina en faveur des nouvelles recrues en formation.
Première visite de travail du chef d'état-major général au centre d'instruction de Moura, Ali Kassi, dans le Haut-Katanga. Le lieutenant général Tio Essongue Sacristian est allé se rendre compte de l'état actuel de ses centres appelés à accueillir bientôt 5000 recrues. Au cours de cette visite, trois exposés ont été présentés à l'autorité. D'abord, par le colonel Ikomo Bienveni, commandant de l'école des sous-officiers de Moura et commandant place. Et du colonel Zanza Tesemba, commandant du centre d'instruction de Moura. Enfin, par le colonel Kileni Zanzu Victor, commandant de l'école du génie militaire de l'ICA. Le chef d'état-major général a félicité les cadres de ces trois structures de formation et FARDC pour les bons maintiens en l'état de ces écoles. Dans sa communication, il a magnifié la vision et la détermination du président de la République, commandant suprême des FARDC, d'assurer la montée en puissance de notre outil de défense. Vous devez savoir une chose, au jour d'aujourd'hui, le chef a décidé sur la montée en puissance de cette armée. Moi, je pense que la montée en puissance, c'est à partir de la base, c'est à partir de la formation. Raison pour laquelle nous sommes là, c'est juste pour parler des recrues, parler des sous-officiers. Les plans que nous avons tracés à Kinshasa, il fallait d'abord compléter à la base de Kitona et ici à Moura, 5000 hommes. Aussi, le numéro 1 de l'armée a donné quelques orientations au commandant du centre d'instruction de Moura. D'ici là, vous devez maintenant former les jeunes. Et avant que les jeunes viennent, il faut que la logistique précède. Vous aurez et les lits, les matelas, les couvertures, la ration pour déjà 3 mois. Après Kitona, où se trouvent plus de 10 200 nouvelles recrues en formation, le chef d'état-major général est venu personnellement ici au centre d'instruction de Moura, Ali Kassi, pour assurer la prise en charge des 5000 autres nouvelles recrues qui seront bientôt en formation ici, pour concrétiser la vision du chef de l'État de faire des FARDC d'une armée professionnelle, le plan de la réforme dans son trinôme fait qu'à savoir formation, équipement, casernement est en marche. Avec cette détermination du chef de l'État, les FARDC entrent de plein pied dans une phase de professionnalisation accrue. Quiconque va s'y frotter sera anéanti. 5000 recrues vont bientôt être accueillies au centre de formation militaire de Moura à Ali Kassi. Le chef d'état-major général des FARDC s'y est rendu lundi 16 janvier 2023. Il a été accompagné du lieutenant-général Masunzu Pacifique et du général-major Gianga Mutara Smith, respectivement commandant 2e zone de défense et commandant 22e région militaire. Sur place à Moura, le chef d'état-major a eu un aperçu général du centre de formation. Il a salué et félicité les cadres et gestionnaires de cette structure pour le bon maintien en état des écoles des sous-officiers, celles du centre d'instruction, ainsi que celle de génie militaire. Trois écoles présentées au cours d'un exposé devant le chef d'état-major général qui a félicité les gestionnaires de ces différentes écoles pour la bonne tenue de ces structures de formation des FARDC. Il a également magnifié la vision et la détermination du président de la République, commandant suprême des FARDC, d'assurer la montée en puissance de notre outil de défense. En ce qui concerne l'accueil de ces nouveaux recrues, le chef d'état-major général des FARDC a donné des instructions claires et nettes ainsi que des orientations au commandant du centre d'instruction de Moura. D'ici là, vous devez maintenant former les jeunes. Et avant que les jeunes viennent, il faut que la logistique précède. Vous aurez et les lits, les matelas, les couvertures, la ration pour déjà... Notez que bien avant, le chef d'état-major général des FARDC s'était soumis au même exercice à la base de Kitona, où plus de 10 000 recrues sont en formation. Et comme là-bas, le chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Chiwewe Songhe Chakristian, a voulu se rendre compte de la viabilité des conditions d'accueil et assurer la prise en charge de ces 5000 recrues qui vont incessamment débuter leur formation dans ce centre de Moura, Ali Kassi. Vingt-sept stagiaires de la 6e promotion de l'École supérieure d'administration militaire ont effectué, jeudi 12 janvier 2023, une visite pédagogique dans les chaînes alimentaires Kitambo Shopping et restaurant Zamani, respectivement dans la commune de Ngaliemo et dans la commune de La Gombe. Sous la conduite du général de brigade Elumba Monga Gisla, commandant de l'École supérieure d'administration militaire, et du général français Patrick Perrette, directeur des affaires académiques. Cette visite pédagogique a consisté à concilier la théorie et la pratique. Au supermarché Kitambo Shopping, Madame Angélique Tuongo, propriétaire de cette chaîne alimentaire, a fourni des explications sur le processus de sélection d'approvisionnement des denrées alimentaires, leur conservation et les conséquences liées au non-respect des températures. On a deux services au niveau du restaurant.
Exactement. On a ce qui est servi à la carte directement ici, parce qu'il y a des clients qui viennent directement manger. Et ensuite, il y a toute la partie traiteur, toute la partie cantine. Parce que nous nous occupons en dehors du chef et de les âmes. On a l'école de bière, on a CEPAO, on a d'autres contrats avec d'autres entreprises. Donc tout part de là-bas, pré-découpé. Okay, c'est-à-dire qu'au niveau de Zanani, on établit des menus avec nos cuisiniers, moi-même, et ensuite, c'est envoyé là-bas. Tout est découpé, et ça nous arrive ici en nombre précis. Et c'est au niveau de Zanani qu'on transforme, et à ce moment, ça part de Zanani pour les différents lieux de service. La deuxième étape de cette visite pédagogique était les restaurants Zanani appartenant à la même propriété, qui est aussi le service traiteur du MES de l'École supérieure d'administration militaire. Cette dernière étape s'est déroulée sous la supervision du colonel bournisien Catherine, professeur de restauration collective. Un jeu de questions-réponses a eu lieu pour améliorer la lanterne des stagiaires. L'objectif de ces cours, c'est de donner le maximum de bonnes pratiques en restauration collective. Donner des éléments de bonnes pratiques de façon à ce que les stagiaires, lorsqu'ils seront en situation, lorsqu'ils seront revenus dans leurs unités, puissent les mettre en œuvre. À l'issue de ces visites, le commandant de l'École supérieure d'administration militaire a encourager cette coopération entre les forces armées de la République démocratique du Congo et l'entreprise Zanani. En fait, nous sommes venus en visite dans le cadre d'un cours, théorique qui se donne chaque année au niveau de l'École supérieure d'administration militaire. Et à l'issue de cette formation, il est assez important que nous puissions palper les réalités du terrain. Bon, d'abord, parce qu'il y a dans la restauration, il y a quand même des notions de stockage, d'où viennent les aliments, il y a les aliments surgelés. Il y a des aliments qu'on doit garder à des températures légèrement supérieures à 0 degré. Il y a des aliments secs, c'est ce que nous avons visité de côté du Tambo. Et puis bon, il y a maintenant le lieu de transformation, là où la cuisine se trouve, et puis le lieu de livraison de la nourriture. Donc c'est un peu ça. Donc nous avons arpenté toute la chaîne, le stockage, le lieu de où on transforme les aliments, on les prépare, et puis là où on les sert, c'est un peu ça. En fait, pour l'école, la livraison s'est faite au niveau de l'école, au restaurant de l'école. Ben, on essaye toujours d'améliorer, parce que bon, il y a des doléances. La spécificité de l'École supérieure d'administration militaire, c'est une école qui a 12 stagiaires étrangers. Donc, il y a toujours des préférences par rapport au goût, il y a d'autres doléances. Donc, on essaiera de s'adapter à tout ça. Donc, tout ce que nous demandons à la société sous-traitante notre restaurant Zanani, donc essayer de s'adapter le plus, parce que bon, le goût diffère, nous sommes tous africains, mais bon, le West africain, les autres africains de pays voisins, ben, ils ont leur préférence, et c'est un peu ça, donc tenir compte des doléances, essayer de copier ce qui se fait du point de vue organisationnel, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, essayer d'améliorer. Il s'y est de signaler que cette visite a été clôturée par un cocktail et les échanges des cadeaux entre l'École supérieure d'administration militaire et la représentante de la dite entreprise. Le gouverneur de la province du Sud-Ubangi, Jean-Claude Mabenze Gwaye-Benz, a procédé au lancement officiel de la campagne du recrutement au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise dans toute l'étendue de sa juridiction. Le go a été donné le jeudi 12 janvier au stade Tata Mouvoto à Gemena. C'était en présence du commandant secteur opérationnel nord-équateur, le général-major Kissebo Elamoussène Isaac, et du commandant de la police nationale congolaise du Sud-Ubangi, le commissaire divisionnaire adjoint Jean Bosco Kalenga. Devant la jeunesse des Guéménans, le général-major Kissebo Elamoussène Isaac a présenté les différentes opportunités d'emploi au sein des FARDC avant d'exhorter le jeune à répondre positivement à l'appel à la mobilisation générale prônée par le président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la défense de l'intégrité du territoire national. Je suis licencié, je suis docteur, hybride, tout le monde là. Chacun a son travail. Dans le fait, dans sa
Ce n'est pas les femmes et les hommes. Nous sommes là, que vous êtes là. Pour combattre pour votre pays, que vous soyez d'honneur. Vous pouvez être orgueilleux de votre pays. Votre pays est trop riche. Le message que le chef de l'État a lancé. Antoine Félix, comme je l'ai dit, il a lancé qu'on puisse défendre votre pays. Il faut défendre votre pays. Ça, c'est votre pays. Okay. Dans ce monde de circonstances, le gouverneur de la province du Sud-Ubangi a encouragé le jeune recrue à demeurer constant dans leur décision de servir la patrie sous les drapeaux. Nalingi koyebi sabino te mosala moponi ezali mosala ya lokumu ezali mosala ya kobatela mboka kobatela bato kobatela biloko ya bato bongo bontimi mosala yango jusqu'au sacrifice suprême mboka mobimba ezali sima na bino lokola bontimi ko répondre na mbela ya tata mokonzi wa ekolo Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pona kobunde na mboka, pona kobate na mboka. Auparavant, une caravane motorisée des FARDC et de la PNC a été organisée en vue de sensibiliser la population sur les recrutements. Les troupes de la police nationale et celles des forces armées associées aux recrues se sont pavanées dans les grandes artères de la ville de Guémena. Les nouveaux points focal genre du ministère de la Défense, le colonel personnel militaire féminin Koulou Agnès a été présenté officiellement vendredi 15 janvier 2023 à l'hôtel Venu, siège secrétariat général de la Défense. À cette occasion, le général de brigade Adjanga Christophe, représentant du secrétaire général à la Défense, a remercié le ministère du Genre, Famille et Enfants, la vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants pour leur regard soutenu sur le genre dans le secteur de la sécurité. Et madame la représentante du secrétaire général, les gens, familles et enfants, mesdames et messieurs les officiers généraux, supérieurs, subalternes, sous-officiers, caporaux et soldats, les forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que les personnels civils de la défense, mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est pour moi un honneur de prendre la parole au nom du secrétaire général de la défense empêché pour vous accueillir. Dans ce cadre de l'hôtel de Nice, à l'occasion de la présentation du point focal genre du ministère de la Défense nationale. En effet, après un long silence observé au niveau du ministère de la Défense nationale en ce qui concerne le genre, je tiens à remercier Son Excellence Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants et saluer son implication directe, personnelle, pour la désignation du point focal genre au niveau de l'administration centrale de la Défense. Mes remerciements s'adressent également à Son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ainsi qu'à Madame la vice-ministre de la Défense pour avoir concrétisé ce projet de mise en place du point focal au sein du ministère de la Défense nationale. C'est donc avec plaisir qu'au nom du secrétaire général de la Défense, je présente le point focal du genre au sein de la Défense. Il s'agit donc du colonel diplômé supérieur militaire Koulou Kokamba Agnès. Pour sa part, le général-major Chessy Justine, point focal principal JAR, au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, a exhorté le nouveau point focal du ministère de la Défense à prendre ses marques pour l'épanouissement des personnels militaires féminins du ministère. Chers collègues officiers, colonel Koulou Agnès, désigné ce jour point focal genre du ministère de la Défense.
point focal genre. C'est une lourde charge en plus de vos responsabilités professionnelles. Une tâche pas facile qui consiste à sensibiliser les hommes et les femmes, militaires et civils, jeunes et vieux, sur le genre en général et toutes ses particularités. Mais avec la volonté et ensemble, hommes et femmes, nous parviendrons à faire avancer ce navire. Bienvenue à bord. Prenant la parole, le colonel diplômé d'état-major PMF Koulou Agnès a présenté sur le concept de JAR avait de remercier les autorités pour la confiance faite à sa modeste personne. C'est un grand honneur et un plaisir pour moi de me tenir devant vous en ce jour en vue de la présentation au personnel civil et militaire féminin de l'administration de la défense nationale de ma modeste personne en ma qualité du point focal JAR du ministère de la Défense nationale et ancien combattant. J'aimerais quand même placer un petit mot pour parler du concept JAR. Celui-ci est une nouveauté dans l'histoire de l'humanité et du concert des nations. Mais il souffre de différentes perceptions de points de vue géographiques, sociaux et culturels. En fait, le concept JAR a été évoqué pour la toute première fois par la psychologue et sexologue, l'américaine néo-zélandais John William Monet en 1955. Le JAR est ainsi un concept qui se réfère aux rôles sociaux, aux relations entre hommes et femmes, aux traits de caractère, aux attitudes, aux comportements, aux valeurs, aux responsabilités, au pouvoir et influence respectifs attribués aux hommes et aux femmes par la société dans le but du développement. Et pour mieux comprendre cette approche JAR, il y a lieu de retenir les quatre principes suivants qui en sont comme des fondements, à savoir le concept social, le concept égalité-équité, le concept pouvoir et les limites du développement. Comme je viens de le dire tantôt, il devient de plus en plus impossible de parler des concepts JAR sans évoquer son lien avec l'histoire des femmes, je dirais le noble combat des femmes quant à ce. Retenons que le JAR peut influencer remarquablement le développement. Plusieurs officiers et membres du personnel civil de la Défense ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Le nouveau commandant du bataillon prévôté militaire de la 14e région militaire a pris ses fonctions le lundi 16 janvier 2023 à la tête de cette unité. Les colonels diplômés d'état-major Mouteteke Mutunda remplacent à ses postes les colonels Amouli Karambira. La cérémonie de remise et reprise et de passation du commandement a eu lieu sous la supervision du général-major Mbuyu Kizimustaza, commandant de la 14e région militaire et commandant place ville de Kinshasa. À cet effet, les colonels Mouteteke a remercié la hiérarchie pour le choix porté sur sa modeste personne en les mettant à la tête de l'unité qui s'occupe de la discipline au sein des forces armées. Il a saisi cette opportunité pour rendre un hommage mérité au commandant suprême pour son souci permanent de doter la République démocratique du Congo d'une armée professionnelle et disciplinée. Il s'est engagé de faire régner l'ordre et la discipline au sein des forces armées de la RDC dans la garnison de Kinshasa. Chef de l'État qui veut doter la République démocratique du Congo d'une armée forte, professionnelle, dissuasive et disciplinée. Aujourd'hui est un grand jour pour moi parce que je suis nommé à la tête du bataillon police militaire afin de faire régner l'ordre et la discipline. Cela est un défi pour moi, mais pas impossible. J'ai besoin de l'accompagnement de tout mon état-major et la confiance de mon hiérarchie qui est la 14e région militaire. Pour tout, je remercie le chef d'état-major général pour avoir placé son choix et sa confiance à ma personne
et lui promet de faire tout mon possible pour que la 14e région militaire soit allégée dans le volet des attributions qui me sont confiées. Je remercie le commandant 14e région militaire pour avoir personnellement rehaussé de sa présence dans cette cérémonie et m'avoir accueilli chaleureusement en me léguant des consignes strictes, celles de faire observer la discipline en toute rigueur. Au nouveau commandant du bataillon PM, le général Mbuyu Sazin a demandé de respecter les instructions de la hiérarchie avant d'enjoindre tous les prévôtés militaires de sa juridiction d'obéir à tout ce que le colonel Moutetiki commandera pour le bien du service. Colonel diplômé d'état-major, mais commandant bataillon Yasika, est-ce que Toyokani? Yende Mokonzinabino. Bokoto Saye, colonel, lieutenant-colonel, major, capitaine, lieutenant, sous-lieutenant, officier, sous-officier de première classe, sous-officier de deuxième classe, sous-officier de troisième classe, caporaux et soldats. Bokoto Saoyo Nyonso Akope Sabino, le Kolamibeko, Pona Bolamu Yamosala, Toyokani. Un cocktail a été servi au terme de la cérémonie.